Bonjour tout le monde, c'est So au micro, on va mettre la webcam comme il faut, on va balancer direct sur le site de 2G, donc petite session ladder practice tranquillement. Alors il faut juste que je change un petit truc. Tac, on va pouvoir commencer. Hop. Tac, et on va pouvoir y aller tranquillement. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Bon, petite session ladder, tranquillement. On va lancer. Puis, voilà. Tac. Tac. Et puis on va attendre une game tranquillement. Voilà. Bon, on trouve un petit Protoss. On va lui mettre la misère à ce Protoss. Petit Protoss. Je crois que j'ai viré le plugin pour pouvoir switch. Je suis pas sûr. Non, c'est bon, il est. Donc ça va switch automatiquement. Voilà. Par contre, je vais décaler la webcam, sinon vous allez pas me voir. Donc petite session de ladder pour préparer la GA tranquillement. Donc je joue un Protoss. Puis je vais me mettre directement sur le chat. Comme ça, si jamais il y a des gens qui veulent parler, il va juste sur l'homme. Hop. Tourner le matos. Là. On va faire l'Arax juste après, dès qu'on peut. Et le petit gaz à 12 pop, comme d'hab, pour pouvoir faire du Reaper. Alors d'habitude j'envoie quand même les civis scouter, voir s'il n'y a pas une proxy gate dans le coin. Donc je vais le faire. S'il y a proxy gate, ben, je le saurai directement. Hop, il n'y a pas l'air d'avoir proxy gate là. On va faire le tour. Ah, bon il n'y a pas proxy gate, hein. Le temps que la probe arrive. J'ai vu la probe, je l'ai croisée. Il n'y a pas, faudra juste faire gaffe à ce qu'elle tape pas mon civis qui construit l'Arax. Je crois qu'elle était partie pour. On va envoyer directement le CV miné et celui qui construisait la Rax, on va l'envoyer directement chez l'adversaire. Hop, avec un petit Reaper. Dès qu'on a les 50 de gaz, bon, on va faire le petit tour du pâté de la maison avec le Reaper pour voir si c'est pas des proxys. Parce qu'on sait jamais, hein, les proxys Stargate, ça arrive très très souvent de nos jours, malheureusement. Avec le CV, on va aller compter le nombre de pylônes. Normalement, il devrait y avoir deux pylônes quand j'arrive. S'il n'y a pas deux pylônes, bah, on va poser instantanément le bâtiment pour poser les tourettes, hein, l'IB, l'engineering bay. Alors, ici, double gaz, double pylône, cybernetic core. Bon, c'est du classique, sauf qu'en fait, bah, il n'y a pas. Comment dire, il y a un gaz en fait en trop qui m'inquiète. Je sais pas combien de workers il avait, j'aurais peut-être dû regarder combien de workers il avait. Et quand je vais arriver avec mon Reaper, on va checker
si jamais il y a bien les trois pylônes. Mon but c'est vraiment de faire le tour de la base, on s'en fout de prendre des kills de probe. Apparemment il n'y a pas trois pylônes. Bon, on va les poser l'IB dans le doute. Je préfère la poser dans le doute. A priori. A priori il y a une proxy target quelque part, je pense. Enfin, il y a un proxy quelque chose quelque part. Donc on va voir. Bon déjà c'est pas là. Parce qu'en fait la probe qui a construit donc la fameuse comment ça s'appelle qui est venu me scouter en fait. C'est la probe qui est venue me scouter pardon. Bah en fait ce qui se passe c'est que elle m'a scouté et c'est tout. Donc je sais pas ce qui se passe. Il y a pas de troisième pylône. Dans le doute, je pose sur une tourette, au moins une. J'ai que 4 marines. Ça fait chier. Je pensais les avoir envoyés du marine. On va refaire une mine en plus. Et on va aller vérifier si elle expande ou pas. On va d'abord lancer. Ici. Ouais, il y a l'expand, le troisième pylône devant. On va switcher et on va faire le build classique. On va reprendre l'Exel Naga. Et ça sert strictement à rien, a priori. Ah, dépôt de ravitaillement, je suis supply. C'est pas bon ça. Je devrais jamais être supply block à ce moment-là de la game. Bon. Hop. Du coup ça décale totalement mon push. Tac tac, on va faire double. On va lancer plus un ici. On va attendre d'avoir au moins 3 élions. On va se limiter à 3 élions. D'habitude j'en fais 4, mais là on va se limiter à 3. Donc il y a des chances que... Hop. Que ça pose souci. Hop, on va décaler ça, on va poser 2 racks supplémentaires. Ah. Ok. Bon bah ici en fait... Il est où l'été? Je le vois pas. C'est une blague. Bon. DT qui font un peu chier. Concrètement j'ai perdu. J'ai perdu. Comment ça se fait qu'il arrive à me défoncer autant Hop. Je sais pas comment il a fait pour me défoncer autant, mais il m'a bien défoncé Ah, je peux pas attendre. Va falloir utiliser encore une fois un scan. Parce que monsieur va... va tout simplement nous embêter encore. Je vais être vigilant. Mais il est quasi all-in à faire ça comme ça. Ah quand même monsieur a décidé de
Je sais pas combien de probes il a perdu de son côté. Moi ça va finalement, j'ai quand même pas mal de SCV au minerai, j'ai pu en récupérer pas mal. Par contre le souci c'est que j'ai pas pu lancer beaucoup de choses, on va lancer un troisième CC, on va avoir besoin du scan. J'ai pas énormément de SCV, mais... Lui non plus, il doit pas avoir énormément de probes. Ah. Bon, il reste quand même un DT. Je sais pas par où il est warp depuis tout à l'heure. Bon, on va pas aller trop loin non plus. On va mettre une tourette devant pour être safe. Dire de voir passer les DT. On va lancer les upgrades. On a un medivac. Par contre, il va en falloir d'autres. Hein. Il va en falloir d'autres. Et il va me falloir aussi plus 1 de défense. On va lancer plus 1 de défense et on va lancer les medivacs. Dès qu'on va pouvoir. La B3 qui est bientôt finie. On va garder du scan au cas où. Je pense qu'on va pas tarder à aller l'emporter. Ça va être important. Ouais, une dépôt de ravitaillement. Forcément. Alors ici, on va lancer du medivac et on va y aller. On va lancer un bunker aussi devant. Oh là là. Bon, il est où son pylône là? Parce que depuis tout à l'heure il warpait et je sais pas de où il warpait. Donc il faudrait que... Faudrait que j'arrive à savoir de où il warpait. Hop. Est-ce que c'était par là? Non. On garde les scans, ça va être important. Voilà, les maraudeurs dedans. Je pense qu'il avait 3, hein. Ce timing là, c'est quasi obligatoire. Ah non. Mais il a rien! Je vais l'éclater! Il a rien! On va pouvoir lancer les deux racks supplémentaires que j'attends. Bon, je vais regarder un replay parce que ça m'intrigue un peu là. On va bouger un peu la webcam aussi. Mais ça m'intrigue un peu. J'ai dû lui faire vraiment mal sur mon drop mine. Je pensais pas être autant d'avance. Tac. Bon, on va aller checker. On va aller voir ça. Alors. Bon. Je me doutais qu'il y avait quand même un souci. Je pense que j'aurais dû poser une tourette dans la B2. Je l'ai pas fait. Ça, ça a été une erreur. Parce que quand j'ai vu les doubles gaz comme ça, c'est qu'il y avait obligatoirement de la tech quelque part. J'ai scouté toute la map. Ah, ah d'accord, ok. Bon, elle était là, la tech. Hein. La fourberie, elle était là. Ok. Et l'autre pylône, il était où? Parce que cette probe là, j'ai scouté partout et je l'ai pas vu. D'accord, donc en fait il était là. Et on va regarder, donc j'ai 27 ici. Ah oui, il reste quand même 22 probes. Alors à la fin, il reste 28 probes. Hein. C'est énorme. Il y a beaucoup plus de probes que moi. Comment ça se fait que... Mais il a perdu aussi beaucoup plus. Comment il a fait pour perdre la game? C'est ça que je comprends pas. Ah d'accord, il a enchaîné les supply blocks apparemment. Il a enchaîné les supply blocks, c'est pour ça qu'il aurait perdu. Et du coup j'attaque juste avant que son colo sorte. Ok.
ben, elle a warpé des unités comme il fallait pas. Et du coup, ben, je passe sur mon push. Il allait me all-in colo derrière. Bon. Donc voilà. Alors, ça. Je vais aller jouer mon courrier en même temps. Fiche d'impôt de cette année. Et. Ok, bon, rien de spécial. Et on est reparti. Et un petit zerg sur Polar Knight. On va lancer tranquillement. On va essayer de jouer macro. Faudrait que j'apprenne à faire des double racks. C'est quelque chose que je ne fais jamais. Et je pense que ça peut être intéressant d'en placer sur certains bio 3 ou 5. Peut-être très intéressant. Hop, on va essayer de micro les probes. Qu'elles puissent bien aller. Je vérifie, tout est ok. Je vais voir pour mettre un petit peu un petit fond de musique tranquillement. Juste quand j'aurai posé mon dépôt. Hop. Tac. Alors, musique. Bon, il y aura peut-être les pubs de Spotify, je suis désolé. J'ai pas de compte premium. S'il y a des gens qui veulent me payer des comptes premium, je suis preneur. Voilà, c'est parfait. Alors, est-ce qu'au niveau de la balance du son, ouais, il est un peu plus faible là. Parfait. On va partir sur Rex, Reaper Reaper, avec l'expand. Donc, vraiment le build standard avec le triple CC. Et un time push sur le 1-1 Steam avec Medivac. Donc, il n'y aura pas de shield malheureusement. Mais le go du Steam est vraiment assez fort. Ah oui, mais si je pose mon gaz en retard, je parle et je me concentre pas. Ça devrait aller. Hop. On n'a pas besoin d'aller scouter hein, les Reapers pour faire le taf. Le but avec le Reaper, c'est vraiment d'aller scouter, bah, déjà voir s'il a fait une boule faire ou pas, et ensuite de checker bah, est-ce qu'il a pris gaz, et quand est-ce qu'il l'a pris, et s'il compte le Reaper. C'est vraiment même des gros points avec le Reaper. C'est d'aller checker le gaz. Sinon, au début de game, il arrive pas grand chose. En général, à moins d'un 6 coups, mais même sur 6 coups, en général, Terran n'est pas inquiété. Du fait qu'il peut y avoir un wall assez rapide, et on wall quasi tout le temps, voilà. Deuxième Reaper, je vais le laisser chez moi. Parce qu'on sait jamais, il y a des gens qui font en sorte que leur Reaper. Enfin, que leurs armes ne croisent pas les Reapers, du coup ça pose un souci. Donc il y a eu une Nat First. Voilà. Alors il y a. Voilà, vous voyez hein, les deux armes concrètement. Il y a 6 armes. Il n'y a pas de gaz. Okay. Donc concrètement, il y a 4 armes. Sur les 4 armes, il y a des chances qu'il y en ait. Désolé, je parle un peu en saccadé, mais. Alors, voilà. Il y a des chances qu'il n'y ait pas que deux, mais en général, il y en a que deux. Hop, j'ai quand même réussi à sauver mon civil, à terminer la construction, je crois, sur ensuite, je vais être facile. Et on va pouvoir commencer à les gratter peut-être un ou deux drones. Je sais pas. Hop. On va déjà gratter les points de vie sur la queen. Il va y avoir 4 queens. Comme il y a un but de nos gaz, forcément.
forcément. Bon, je vais pas pouvoir gratter grand chose en fait. Malheureusement. Donc on va commencer à voler au niveau de la rampe. Ah bah. Il a réussi à faire le tour avec ses arguments que je n'ai pas vu. Forcément, il va y avoir une mule. Hein. Une mule qui va ne pas récolter malheureusement. Tac. On va mettre 3 CC là-bas. On va faire la transformation et enfin le rôle. Je m'arrête à 4 rayons. Je préfère m'arrêter sur 4 rayons en ce moment. Voilà les 4 rayons qui sont sortis. Je vais pouvoir continuer à fermer mon wall. Puis on va continuer à avancer. On va checker s'il n'y a pas une expand. Normalement il devrait y avoir une expand quelque part. Ou alors ça veut dire qu'il me all-in par un push assez violent. Ici on va lancer la nouvelle raie. Oh, il n'y a pas d'expand. Ça c'est pas normal. Ok, il y a du roach. Donc on va prévoir du bunker. Et on va prévoir aussi du maraudeur. On va essayer d'être actif et pas perdre ses units. On va prendre un peu de mine. Ça va être dur, je pense que je vais perdre quand même pas mal d'units hein, sur ce soir là. Hop. Les Arling qui vont se faire plaisir. Bon, ici. Forcément, c'est du all-in. Hein. Et je ne passerai pas. Je ne passerai pas parce que j'ai fait de la merde au niveau du mobile, hein, malheureusement. Et que j'ai pas été assez réactif au niveau du split. En plus, j'avais le steam. Et j'ai pas pu lancer le steam. C'est pas grave, c'est une erreur, je vois pas faire. Le mec qui vient me troller en plus derrière, mais c'est vrai. C'est juste une erreur, faut pas que je la refasse. Alors, hop, on va bloquer. Blanchi. un pseudo français tout moisi. Je sais pas qui c'est. Mais... C'est dommage que j'ai pas réussi à tenir son all-in tout moisi. Il avait que dalle. Je trouve qu'il est arrivé tôt par rapport à d'habitude. J'aurais dû scouter vraiment un peu mieux. Parce que normalement la B2 il posait genre à 6 minutes, quelque chose comme ça. Donc, faut que je sois un peu plus actif sur la map avec mes élions au mériteur. Faut que je me rende compte un peu quand est-ce qu'il prend expand ou pas. Comment. C'est le plus important. Là c'est vraiment zerg, hein, c'est ça. C'est vraiment zerg. Bon, on va faire la même chose hein, de toute façon.
aller poser la règle cette fois classique. 1,35. Le gaz derrière. On voit aussi que la game d'avant, mes Reapers, j'ai eu un peu delay. Normalement, c'est censé arriver genre 20 secondes plus tôt. Ce qui fait que j'ai quand même pas mal de petits soucis. Bon début de game. Ça va pas trop handicaper, mais ça va quand même bien perturber le niveau du game. Alors, je vais regarder au niveau du stream si tout se passe bien, parce que moi, j'ai bien l'écran fiché, mais normalement tout devrait bien se passer. Y'a pas de raison. Il n'y a point de raison. Donc, l'Overlord qui est là. Voilà, il n'y a pas de soucis. Quand on a lancé le Reaper, on va l'envoyer directement dans la base adversaire. Allez, checker un peu. Ah, du point que j'avais dit dans la game précédente. On va lui poser l'expand. Hop, le Reaper qui est envoyé, le CV qui va arriver pour pouvoir poser le défaut. Et on va relancer le CV dès qu'on a le minerai. Et oui, je vais quand même checker s'il n'y a pas la gold, on sait jamais. Des fois, les mecs qui les posent en hatch first sont cas complexes. Enfin, ça arrive de plus en plus en ce moment, malheureusement. C'est assez dur à punir. Donc ici, pas de drone, j'ai pas vraiment d'informations pour le moment. Gaz, il vient juste de récolter 100 de gaz. Là, il sort quand même des drones. Non, je vais pas être trop greedy, je vais arrêter. Hop. Ah. On va pouvoir aller poser l'expand, on va le poser directement en wall. Simple, plus simple à tenir. Ici, on va tout pouvoir faire le switch. Alors, est-ce que je vais avoir plein de zergling de plus? Voilà, j'ai deux zergling de plus, on va faire le switch au bâtiment. Bien que je mette ça en raccourci. Relancer le tech lab. Relancer un bâtiment. Donc là potentiellement il peut avoir le speeding d'ici 40 secondes à peu près, donc il faut que je fasse attention. Il peut être dangereux. Mais c'est tout. Ici on va lancer le steam, on va lancer un marine. Donc j'ai dit qu'il fallait que je sois un peu plus actif au niveau de la map. Je vais essayer de l'aide. Pas. Rien à ne déclarer pour le moment. On va essayer de pas perdre les rimes bêtement sur des queens, ça serait stupide. Alors, base, ok. Donc a priori, pas vraiment de signe particulier de... On va lancer une règle supplémentaire sur le réacteur, on va lancer une seconde règle à côté. On ne sait pas faire d'unités, voilà. C'est le plus correctement ces unités. Et on va essayer d'être vraiment actif sur la map. C'est vraiment le plus important, je trouve. Non, faut que j'essaie de limiter le creep spread. Alors ici, on va lancer. Ça fait combien de fois que tu écoutes cette chanson ? En manque de son frais. Là on va pouvoir cancel. Clique sur la bannière et abonne-toi à Dixter Fresh. On va cramer toutes les tendances musicales du moment. Ah. Saviez-vous que Spotify est maintenant gratuit sur les mobiles et les tablettes? Et il ne s'agit pas que d'un essai gratuit. Téléchargez la dernière version de notre application, connectez-vous et cliquez sur lecture. Bienvenue dans le monde de la musique mobile.
Oula, y a... mais comment il fait pour faire autant de roach? Je vais essayer de gagner du temps. Je me prends encore une fois un all-in. Faudrait que je regarde le replay, comment je peux faire pour augmenter du quand même mon wall derrière. Ça s'est pas mal passé finalement, j'ai eu peur, mais ça aurait pu être la catastrophe. J'ai le steam, je peux relancer tout le medivac et je peux contre attaquer, et je pense que ça va être la misère pour lui. Normalement on va dégager le CC, on va le poser et on va pouvoir fermer avec deux supplies des supplémentaires. Je vais dégager ça aussi. Ah ok, du roach. Je vais pas me faire avoir, je vais attendre mes medivac avant. Je sais pas pourquoi je sens le plan foireux. Je préfère récupérer mes medivac avant. Voilà. Alors par contre, j'ai oublié en même temps. Là c'est un peu normal. Oh non, j'avais une unité qui... J'ai vraiment pas de vol là, parce que j'avais une unique en fait qui passait juste au moment où En fait elle passait juste au moment où j'ai appuyé pour fermer le wall. Malheureusement ça arrive. On va y aller hein. Les deux est civil pour terminer. Ah ok, là ça m'intéresse. Oh là là, j'ai fait de la merde en plus. Je fais de la merde, j'aurais pu essayer de le multitask un peu mieux quand même. Là, il n'y a pas eu de multitâche. On faisait la V4, puis on va continuer. Là, par contre, c'est Queen, je les pense. Il a marre de clip. Bon, j'utilise beaucoup de scan, mais c'est pour la bonne cause. Faut que je mette ma structure. Jean, il a réussi à cancel mon. Oh là là. Les run by. En fait, faut que j'apprenne à mettre des bunkers pour protéger des run by. Ça, c'est un des trucs que je fais jamais. Faudrait que j'apprenne à le faire. C'est ce qui me coûte les games finalement à chaque fois. Là j'ai bien décrit, on continue à pousser. All the years, all the times, you've never been to blame. And now my eyes are open. And now my heart is wanting tears. All the lights, all the ways, I've been trying to make sure. And now my eyes are open. I need your time with everything from you.
ça va, il m'a pas fait grand chose finalement, que c'est fini. Ici. Il est où mon Divac, d'accord. Mon Divac est mort. Bon, normalement il va être supplémentaire, qu'est-ce que je vais tuer là? Ah, il a peut-être la gold en fait. Ah merde, j'ai le sport que j'ai oublié qu'il y avait, malheureusement. Bon, il y a une base ici. Vous voyez, hein, j'ai bien largué le maraudeur. Ah, je suis supplé bloc aussi depuis tout à l'heure. C'est très bien. Je vais virer ce supplé bloc, un petit GG. Je multitask un peu de partout. Ça s'est plutôt bien passé. On va relancer. Il y a vraiment son all-in qui... Enfin son all-in, je sais pas si on peut appeler ça un all-in, sa grosse pression au tout début qui m'a vraiment foutu la misère. Oh non, un random, et Ashua, j'ai horreur de cette équipe. Ashua, c'est vraiment un truc... Un truc que j'ai horreur comme type. Donc là, il y a deux solutions, soit le mec TBT va jouer hyper greedy, soit le mec qui va jouer hyper offensif. Donc moi je vais faire un peu un build semblable à ce qu'on fait en DBZ. Un truc en mode avec Macellion, triple CC. Putain, mais moi je... Sérieux, faut que j'arrête, hein. Faut que j'arrête de parler en même temps. Parce que finalement, bon, je vais faire... Je vais pas faire de CC first, mais... En fait, comme je parle, forcément, je passe pas... Je fais de la merde. Bah en plus de parler à lui, je fais de merde. C'est pour ça que j'évite de parler en ladder. Bon, je sais pas où il est, mais on va essayer de le trouver avec le CV. Et on va poser l'expand assez rapidement. Finalement, j'ai pas trop, enfin, ça m'a pas trop handicapé a priori au niveau du build. C'est juste que j'aurais aimé wall, j'aurais aimé tout faire correctement. Non, c'est pas très grave. On va essayer de le trouver et on va lui poser l'expand. Ah bah, il est directement là. Est-ce qu'il a pris gaz? Ça c'est une très bonne question. Il a pris gaz, il a récolté à peu près pareil en gaz que moi. On va lancer. Ah. Bon, je lui fais quelques petits dégâts sur le Hyper.
rien de, d'énorme, mais c'est peut-être quelque chose qui va me faire la différence quand là je vais... Ah bah non, il a double Reaper, ok. Est-ce qu'il a deux racks? Ah, il a deux racks. Je suis un peu dans la merde en fait, là. Je suis un peu dans la merde. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que comme il a fait double Rax Reaper, ben, je vais devoir sortir des SCV, et ça va être la misère. Il faut que je pose absolument la facture tout de suite. Bon, les SCV sont là pour tanker les coups, mais voilà quoi. Ah. Est-ce que ça serait un miracle si je suis occupé de gagner à la micro un duel de Reaper alors que j'ai... Non, faut surtout pas que je fasse du réacteur là, qu'est-ce que je fais moi? Faut absolument que je fasse pas de réacteur. Et que je garde en vie mes Reapers le plus longtemps possible. On va essayer de se mettre là, on va essayer d'être réactif. Je me demande s'il continue sur Reaper. Je vais arrêter moi les Reapers, je vais faire un réacteur ici. Et je vais faire les Hélions. Alors moi qui voulais partir sur triple CC, c'est un peu raté. On va revendre le bunker parce qu'il va plus nous servir à grand chose. On va faire un dépôt. Et on lance un Starport. Bon. Là il y a deux solutions. Soit il a conclu à fond sur... sur sa strat Reaper, soit pas, et si pas, ben, c'est que j'ai fait le bon choix. Je vais pouvoir transférer le bâtiment, enfin switch, enfin une fois. Je vais pouvoir aussi faire un dépôt. Bon, là je me sens plutôt bien, sous réserve quand même de ce qui va se passer. J'ai cru entendre un Reaper. Forcément, je sens le jeu pas très très fort. Bon, ça va. J'ai sauvé la. J'ai un petit peu sauvé. Meubles. Mais pourquoi je veux pas de ici, moi je veux pas faire de ici. Allez. Ah. Il est peut-être sorti. Ouais, il est sorti. Bon là, je lui casse son armée. Concrètement, avec Banshee là maintenant, ça devrait le faire. Avec Spotify Premium, votre musique vous suit partout sur tous vos appareils. Écoutez tout ce qui vous chante sans d'armée et avec une qualité de son exceptionnelle. Vous pouvez même synchroniser vos titres pour les écouter en mode hors connexion. Que vous soyez dans l'avion, dans le train ou dans votre salon, vous avez la musique qu'il vous faut avec vous. Pour en savoir plus, cliquez sur la bannière. Là c'est pas en pochant avec des maraudeurs qui va me faire peur finalement. Par contre là je me retrouve avec beaucoup de thunes. Je vous que là <t'en>
Bon, le but c'est de tuer tous les marines avec les... Ah, par contre, j'ai énormément de thunes. C'est quoi cette histoire? J'arrive pas, Macron. J'arrive pas, Macron. J'ai pas assez de gaz, en fait, c'est pour ça. De la merde. Bon, il me faut deux facteurs de plus. Il faut que je puisse récolter du gaz. Je vais faire l'IB pour pouvoir récolter tranquillement aussi. Pouvoir récolter tranquillement. Enfin, c'est pas le mot, c'est pouvoir en fait poser des tourettes et qu'on me drop pas. Voilà, bah, quand je change de drop. Alors forcément, il fallait s'y en douter. Bon, alors. On va faire ça comme ça, on faisait masse tourette, on n'a rien à foutre, de toute façon on a des thunes. J'ai macro. Vraiment comme une merde. Et on va lancer du upgrade, on va lancer une masse. Ah, il arrive. On va lancer le 1-1. Bon, ça se passe plutôt bien au niveau de la défense. Ça pourrait être mieux, mais j'ai pas trop perdu. Ils sont palés. J'ai arrêté d'être super bloc un peu stupidement. Par contre, je pense que j'ai un peu trop de SI. Je vais lancer le frame pour dire que j'ai 150 de gaz. Hop, on va lancer un peu de tourette. Je sais pas pourquoi, mais je le sens qu'il va essayer de forcer le passage. Ça peut être une solution pour lui. Parce que là, il est pas très bien. Pas très bien, on va lui poser une B4. Il s'est empalé pas très très bien. Il est 0-1. Ok, bon, en même temps, il me donne la position de son armée, alors je savais pas où il était. Bon, moi ça me va, écoute. Hein. On va go, hein. On va go, tranquillement. Ah, ah, il est là. Bonjour. J'ai compris où tu étais. Il n'y a pas grand chose. Ah, il n'y a pas grand chose, mais en fait, j'ai pas vu l'arrière de sa flotte. Bon. Normalement ça devrait aller, c'est... J'ai quand même une pop assez énorme comparée à la sienne, mais... J'ai quand même flippé pendant un moment. Oula, va falloir que je fasse attention aussi. Hop, hop.
remettre ça là, remettre un autre truc là. Et on va mettre un autre truc là. Et on va y aller. Bon, on va rentrer dans les medivacs. Et normalement j'ai Blue Flame, voilà c'est ça, je suis Blue Flame en plus. C'est parfait. On va y aller. Faut juste que je fasse attention à pas être. Alors, ici il envoie Marauder. Bon, il arrive à scouter, mais pas grand chose finalement. On va lancer le 2-2. Alors, ici, lui, 2-0. On va essayer d'y aller, hein. Ça va être un peu dur. Enfin, ça va pas être dur, mais faut pas prendre de mauvais engagements. Parce que. En gros. On va continuer, hein. Bon, je voulais des medivacs supplémentaires, mais a priori, je vais pas en avoir. C'est pas très grave. Bon, j'ai une nouvelle base, on va reposer les CC. Je pense que on va en avoir besoin. Ok, lui par contre, ça y va quoi. Voilà, alors ce qu'on va faire, on va lancer des mines. Parce qu'il a fait son switch en fait. Il a fait son switch aérien. On va poser des starports, on les posait là. Absolument que je gère un peu tout ça. Bon, c'est pas avec le peu d'unique qu'il a qui va pouvoir m'empêcher de péter toutes ses bases, mais quand même quoi, il faudrait que je fasse attention. Voilà, alors. Les starports ils sont bientôt terminés. Je peux encore la perdre, les gars. Je peux encore la perdre. Et normalement, ça devrait tenir. On va lancer deux starports. Voilà. Apparemment lui il a décidé de bon ça sert plus à rien de faire des tanks finalement. Faut que je fasse des vraiment des vikings à maximum. Je vais être 3-3. Alors ça on va pouvoir aller poser là-bas une nouvelle base. On scanne, je sais pas où il est là. Bon, il va être surpris de la puissance des mines, je pense. Vu que. Il y en a quand même pas mal. Ah merde, j'ai pas vu. Oh là là. Voilà. Bon, les mines qui ont fait le café. Je pensais pas que j'allais prendre aussi cher. Je suis déçu. C'est comme ça. Parce que j'étais plutôt bien dans la game.
son mix semi-bio, je sais pas quoi. Opérationnel, prêt à partir. Barré au pillage. Allez-y. Hop. Champ de minerai épuisé. Semi-bio, semi... Champ de minerai épuisé. Ah, voilà quoi, pour reposer un nouveau CC. De toute façon, ça devrait le faire. Hop. Par contre, j'ai plus du tout de scan. Ça, ça va empêcher de jouer correctement. Voilà. En fait, il a pas du tout upgrade. Il a pas du tout upgrade la défense de ses unités. Il a upgrade que l'attaque et la suite, vraiment. Derrière, sur un mix pas très cool. Donc là, j'ai beaucoup d'Elbat dans ma compo. Bon là normalement, enfin, je veux dire, j'ai quand même une bonne pop. Certainement. Finalement, j'ai une pop de merde. J'ai une pop de merde. Parce que malgré le fait que monsieur n'avait pas du tout upgrade sa défense, bah, je me suis fait rouler dessus. Donc là, en fait, je vais me faire push et a priori, je vais me faire défoncer normalement. Ça serait logique. Non, il n'arrive pas. Il a essayé de pas venir. Il me laisse du temps, du fair play. Donc du coup il me faut du tank. Ah d'accord, là en fait il fait de me donner tous ses CV pour juste Il me donne tous ses CV. En fait j'ai pas besoin de mes unités en l'air je pense. Bon. Barré au pillage. Finalement, je m'en sors plutôt pas mal, alors que je n'ai pas vraiment cher de ma peau. On va essayer de refaire encore un peu de mine. On va essayer de bouger un peu parce que là j'ai tous mes tanks empâtés et c'est peut-être juste ce qu'il voulait, faire en sorte de me faire bouger. Et comme il n'y a pas de sensor tower ici, c'est un peu dur pour moi. Ah, ok. Au revoir petite PF, on va relancer le CC ici. Par contre ici du coup il est coincé.
là en fait, j'ai l'impression qu'il va s'empaler mais pour rien. Bah, il me pète tous mes CV. Ah oui, non, par contre là, mes. Mes Starport, j'en ai besoin. Ah, mais il pète tous mes unis quand même. Hein. Je pensais qu'il allait pas du tout. Oh là là, il a tellement de CC partout. J'ai tellement perdu la game. C'est chaud quoi. C'est chaud. Bon, je pense que j'ai perdu. Je vais dire GG et je vais partir. J'ai plus de CC. Lui, il en a masse. Je vais. Dernière attaque du désespoir. Mais là. De toute façon, je pense que même si je pète tous ces bâtiments de prod, même ces bâtiments de prod, il doit avoir tellement d'armées. Oh, je tellement. No need micro quoi. À clic. C'est la fin. Je me suis fait défoncer. J'ai pas. Je l'ai pas vu arriver son switch. En gros, sa bio switch R tout de suite. Avec une seule. Avec une seule IB. C'est assez spécial. Pourtant j'avais beaucoup plus pendant un moment et j'ai tout perdu, mais j'ai tout perdu sur quoi? Je me souviens plus sur quoi j'ai tout perdu. C'est embêtant. Hop. Je joue un Terran. Hein? Gros boulot, mauvais. Hey, qu'est-ce qui se passe? Allez-y! Mauvaise nouvelle? Pas assez de nuit. Et c'est spray! Allez-y! Gros boulot! Hein? Hey, qu'est-ce qui. Bon, juste après j'allumerai le ventilo parce que je vous avoue que avec le PC qui tourne et le ventilo et la chaleur dehors, c'est assez chaud. Je commence un peu à crever de chaud là. Hop. Bon, je joue un Terran. Je vais refaire un peu ce que je fais en ce moment. Le Reaper. Reaper et Lion. En mode. En mode triple CC. Je trouve ça plutôt pas mal. Le seul truc que j'ai du mal à contrer, c'est quand même les gros push tanks, mais c'est un petit peu normal. Et je pense que d'ailleurs, si j'arrive à rajouter du Viking, de la Banshee ou un truc comme ça dans mon mix, si jamais je me prends des go all-in avec 11 gaz ou 12 gaz, des trucs classiques, il y a peut-être moyen que je les tienne. On voit le petit Reaper. Hop.
Souvent aussi en TBT, je me prends de plus en plus d'all-in, je sais pas pourquoi. Des all-in. Comment ça s'appelle? Avec Mass SCV. Alors, reposer. Le supply dépôt pour éviter le supply block, forcément. Ce sera quand même intéressant et stupide de l'aide. Vous avez un truc à me faire tuer. La mort vient d'en vous. Ça ira. C'est tout. En route. Bien sûr. Ok, d'accord. Tremblez. Bon, le but, hein, c'est de le brain, de ramener les deux Reapers. Oh, finalement, j'ai qu'un Reaper, malheureusement. En fait, il voulait envoyer son Reaper. Oh là là, j'arrivais pas à voir qui c'est qui avait le premier shot. Ben, du coup, j'ai un peu perdu. Pas la game, mais presque. À cause d'un Reaper. Bon, ça a intérêt à arriver assez rapidement mes unités parce que je vais faire deux marines. Les deux marines qui vont me permettre en fait de gérer le Reaper. Parce que le Reaper va être assez relou. J'ai pas perdu de SCV dans l'histoire, ce qui est plutôt bien. On va pouvoir soulever ça. Je sais pas du tout par où il va être capable d'arriver. Ok, il y a du tank. Donc là en fait je vais me faire tanker à la tête. Donc je pense que je vais partir Banshee Cloak du coup. Et Lyon Banshee Cloak, ça me paraît bien. J'ai pas vu d'expand. Si, il y a eu un CC quand même, c'est sympa. Il y a eu un CC. Hop. Au moins, j'aurai 3 CC. Tac, on va envoyer ça. Ah d'accord, déjà. Non mais j'ai compris, j'ai pas le droit de prendre expand, rien du tout. C'est pas grave, on va lancer du marine du coup. Ah mais il y a déjà un tank. Bon, normalement, vu le nombre de SCV que je prod, si jamais j'ai une sortie à faire, ça devrait bien se passer, je pense. Ah merde. Ah merde. Ça pose souci en fait. Je sais pas comment je vais faire pour gérer tout ça. Est-ce que si je sors des SCV ça va pouvoir le faire? Ouais, normalement ça devrait pouvoir le faire.
Bon, c'est un peu le chaos, mais je m'en sors avec la Banshee qui est ici du coup. Et j'ai encore le Viking pour pouvoir gérer cette petite Banshee, donc c'est plutôt frais. Bon, ça va être stand de réparation intensif. Et là du coup, avec mes CC et tout et tout et tout, normalement, je pense que j'ai pas perdu tant que ça. Et je devrais être bien. On va dégager la Banshee. On va faire départiment de prod. Parce qu'on va faire 3 CC. Puis voilà. Hop. Ça se passe plutôt bien. Voilà. On va continuer un peu les Hélions. Bon, les Banshee, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir dans les Banshee? Oh là là. Dommage, j'ai quand même gratté pas mal finalement. Pour des Banshee qui m'ont servi à déblayer un peu le chemin. Oh non, 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 c'est quoi cette erreur de merde là? J'ai toujours un surplus de thunes monumental. Voilà. Tac, on va pouvoir poser des bâtiments pour éviter de supply block. Alors je sais pas du tout s'il arrive. J'ai pas du tout de vision. Ah bah je sentais le coup arriver. Pas grand chose hein monsieur, il n'y a pas grand chose du tout. Je vais pouvoir poser la B3 tranquillement. C'est bien, j'ai bien prod les Vikings du coup. Je suis pas trop embêté pour vraiment pour l'aérien. On va aller voir s'il a posé B3, hein, c'est possible. C'est possible et ouais, il l'a pas hein. Il a pas la B3. Ah oui d'accord, et pendant ce temps-là, moi, comme un con, je perds tous mes CV. Bon.
coller là. J'ai l'impression finalement que j'ai énormément l'avantage. Enfin, il a pas l'air d'avoir... Ah non, je lui ai cassé sa V3, donc finalement... L'avantage... je l'ai pas énormément au niveau de l'armée, mais... Je suis au niveau économique. Parce que là, il va être bientôt mined out. Ah, si, je suis au niveau de l'armée aussi. En plus, il vient sans palais sur le temps. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus là? On va poser la B4 tranquillement et on va avancer. Les Vikings et c'est un GG. C'est bien passé. J'ai cru que j'avais un peu peur au niveau de l'armée, mais enfin, j'avais quand même beaucoup moins, mais ça s'est bien passé. On va lancer. On va enchaîner. Donc, on ensemble jusque 20h, donc encore 3 quarts d'heure. Ouais, pourquoi tu veux pas me loguer? Tu vas me loguer tout de suite. Paf. Un Airblood. Alors lui, concrètement, qu'est-ce qu'il va me faire? Soit de l'oracle avec un all-in derrière, soit un all-in directement. C'est pas la première fois que je joue en ladder, et à chaque fois que j'ai joué, forcément, c'était ce genre de truc. Donc, voilà. Je crois que je l'ai joué en fait sur exactement la même map. J'avais essayé de partir mec après mon build. Ça avait totalement fail. Parce qu'en fait monsieur... voilà quoi. À part faire des all-in et des timing push, j'ai pas fait grand chose là. J'ai joué plusieurs fois. Une fois en cup, on m'a fait oracle sur Frost. Je sais pas si... Je crois pas qu'il était en proxy, hein. Je crois qu'il était dans sa base. Et derrière, il m'a all-in sur deux bases, sauf qu'il s'est venu sans palais sur mes tanks. J'ai joué trois fois en ladder, trois fois il m'a fait des all-in immo. Donc, pas forcément sur ce compte-là, hein, sur les smurfs. Les Airblood. Donc, on va. Poser l'Arax, on va aller voir s'il n'y a pas de proxy vite fait. On va lui poser le gaz. Bon, a priori, il n'y a pas de proxy. Il n'y a pas l'air en tout cas. Il n'y a pas de proxy. Donc, on va continuer. Le build classique, on va envoyer le CV construire l'Arax directement à l'escouter. On va aller voir ce qui va se passer chez lui, le nombre de pylônes qu'il y a, etc. etc. Et on va éviter de se faire surprendre sur un proxy oracle ou un proxy n'importe quoi d'autre. Hein. D'ailleurs, on va lancer l'orbital et le Reaper. Voilà, le Reaper qui était lancé.
Donc cette fois-ci, pour une fois, contre lui, je partirai bio. Et puis on va voir ce que ça va donner. Donc je vais faire mon vieux build de bio que j'aime bien faire avec le drop mine. Ah là là, pourquoi je prends. Alors deux pylônes, ok. Avec double gaz. J'aime vraiment pas ça. L'expand très rapide finalement. Donc c'est un peu la build à la hero. J'ai l'impression que. Qui copie son build en fait. Build de hero. Bon, je l'ai pas eu, c'est pas grave, je vais pas tenter le diable. Je sais ce qui se passe pour le moment. Pourquoi il y a une prob là? Cette prob elle est chelou. Bon, il est venu scouter, il a réussi à voir que je partais sur. Voilà quoi. On va scouter quand même les alentours. Si jamais il y a peut-être une proxy robot dans le coin, ça peut être embêtant. Pour le moment, je vois rien de spécial. Normalement, il n'est pas censé y avoir de proxy robot. Hein. Les bâtiments étaient posés normalement avec vraiment le Nexus qui était plutôt que ce qu'on voit d'habitude en fait. Donc, il doit y avoir qu'une prop par gaz a priori. On va scouter, on va suicider le Reaper. Et on va aller voir un peu ces bâtiments. C'est le complexe robotique. On va essayer de tuer la probe. Et on l'a. Et voilà. Donc le complexe robotique. Bon, ça peut être encore DT. Hein. C'est pas exclu. C'est pas exclu. Hop, ici, on va faire le tech lab. Pourquoi j'ai coupé la prod de SCV? Je pose la question. Je suis pas censé la couper. Hop. Ici, le marine qui va bien. Compléter tout ça, on va faire. J'aurai que 5 marines, c'est pas très grave. On va dégager ça. On va. Directement balancer. Bah, ce qu'il faut, hein, sur les bâtiments, et on va arriver direct sur le timing 8 minutes. Mon timing que je kiffe. J'aurais pu essayer de les suicider, hein, finalement. On va attendre un peu, on va voir si je peux pas faire quelque chose. Genre, je sais pas, genre faire ça. On va sauver les marines, on va sauver le medivac, on va y suicider les hélions. Ça peut être une solution. Et on va faire un second starport parce que bon, on l'a bien vu, hein, il part au Linkolo. Donc du coup, j'ai pas perdu le medivac, ça c'est plutôt un bon point, ce qui va me permettre en fait de pouvoir enchaîner tranquillement. De pouvoir enchaîner tranquillement sur des comment ça s'appelle,
les Vikings tout de suite. Et le but, ça va être de défendre son all-in, a priori. On a posé la B3. Les Vikings qui vont être lancés. Avec le 1 d'attaque, ce qui est plutôt bien. Je vais mettre devant, on sait jamais. Ça peut peut-être me permettre d'avoir les infos. Ok, il est déjà là. Il est déjà là. Donc monsieur All-in est déjà là. Bon, c'est pas très grave. J'ai quand même pas mal d'units, ça devrait le faire. Je sortirai les SCV, j'ai 3... Et on va le bash, voilà. C'est un peu mieux passé que la dernière fois. On va pouvoir refaire décoller. On va claquer son obs. Hein. Et finalement. Son all-in n'est pas passé. Je m'attendais pas à le voir aussitôt, mais finalement, bon. Voilà, on va se plaindre. Du coup, on va reprendre les gaz. On va lui casser un peu ses pilotes. Et puis on va y aller. Hein. On va essayer de lui casser sa B3 si jamais il essaie d'en poser une. S'il en a pas possible, c'est plus bénéfique pour moi. Parce que moi je vais avoir la mienne. Bon, il n'y a pas ici en tout cas. Ici, 2 racks de plus. Est-ce qu'il y a B3? Est-ce qu'il y a B3? Il y a B3, on va aller la défoncer. Je ne veux pas de B3. Ouais. On y court ou on y vole? Ok, surcharge, bah. Fais ta surcharge si tu veux, écoute, hein. Moi je t'engage pas. Par contre, ce qui serait bien, c'est que j'enchaîne les upgrades. Tu vas regarder combien il est. Il est 0-0, je suis 1-1. Là, là, je vais le déboîter a priori. Qu'est-ce que vous foutez les midvacs là? Putain, c'est ouf quoi. Je leur demande de faire une action, ils la font pas. On va ramener toutes les unités et on va le faire quitter. Parce que j'ai tellement plus chez moi. Et on va l'empêcher définitivement de prendre cette base que je ne veux pas qu'il prenne. Ok, bon, on va poser. C'est le GG. Bon, ça s'est mieux passé que la dernière fois. Ça commence à bien monter. Il m'a donné 42 points le type. Ça va, c'est le top master. Ça monte tranquillement.
Terra Nuta. Je l'ai jamais joué. On va se faire un petit cheese pour une fois, 8-8-8. On va voir ce que ça va donner. J'aime bien le faire sur cette map. Puis autant profiter parce que, comme elle est sortie du map pool lundi, essayer de la jouer au moins jusque lundi, quoi. Poser le proxy ici, ça devrait le faire. Hop, et en poser le supply typo. Donc un 8-8-8 des familles. Moi ici, vite quand il va arriver, je vais direct pouvoir poser l'arax. Normalement, au niveau du timing, ça devrait le faire. Ah, d'habitude, je la mets là en fait, donc c'est pour ça que je pars à 40. Hop, et voilà. On va aller poser le gaz direct. Et on va refaire quelques SCV directement. Alors ici j'ai pas mis correctement mon SCV forcément. Ça pose pas de soucis, j'ai pas perdu grand chose, mais sur une minute j'ai peut-être perdu 5 de minerai. Et sur un cheese ou un all-in comme ça, c'est important. Surtout pour les transitions derrière si jamais j'en fais une. Toujours mettre les SCV sur le carré de minerai le plus proche. Donc ça va être intensif, mon macro. Ça va être intensif. Je vais pouvoir a priori lancer l'orbital. Je vais pouvoir lancer le Reaper derrière. On va en mettre là. Et celui-là. Hop. J'aurais jamais dû rester. Je vais peut-être le perdre le Reaper. Ah, il me suit pas. Il ne me suit pas. Bon. Bah, le mec a opening Reaper. Donc, quand je vais arriver, normalement, bon. Il n'est pas censé y avoir de Reaper. Enfin, censé y en avoir un. Peut-être un Marine. Ok, il a open double Axe Reaper. Alors, en fait, ça c'est mauvais pour moi. J'ai perdu du coup. Bon, on va quitter, ça sert à rien. Quand je vais avoir un Reaper, il va en avoir 3, donc ça sert à rien de continuer la game. Parti sur un build double Rex Reaper à l'aveugle. Bon, forcément, c'est le contre parfait à ce que je fais. Je peux pas gagner la game counter build comme ça. Un Terran. Alors oui, par contre, je crois que j'ai déjà vu genre en GM ou je sais plus. Ça doit être un joueur français, il me semble. C'était pas Kimo qui jouait Protoss dessus. Enfin, je sais plus. C'est un joueur français en tout cas, mais. Qui a déjà été GM, mais en Protoss, pas en Terran. Oui, que c'est un Protoss à la base. Donc je sais pas, c'est peut-être un compte pour s'amuser ou. Je ne sais pas qui c'est. Bon, on est sur Frost. Je veux faire un build à base de.
à base de gaz 15. Donc en fait avec une expande rapide et avec des lions, des tanks, des banshees, des trucs comme ça. Voilà. On va pouvoir poser le gaz directement à la sortie du SCV. Un gaz 15, c'est pas un gaz trop rapide, mais pas un gaz trop tardif non plus. Donc ça va me permettre de pouvoir poser expand et de jouer tranquillement. Voilà, le premier marine, on va poser le dépôt. Tiens, on va commencer à voler derrière la ligne de minerai. On sait jamais, ça peut servir. On va mettre les marines devant. C'est moi que vous voulez. On va faire le réacteur une fois que le second marine est sorti. Et on va pouvoir aller poser expand. On devrait avoir les thunes sans aucun souci. Par contre, je vais envoyer un CV à les scouter. Parce que j'ai quand même besoin de savoir où est mon adversaire. Et ça pourrait être pas mal si je peux le savoir assez rapidement. On va laisser les marines dans la pente. Et on va les envoyer directement au niveau de la B2 en même temps que je la prends expand. Voilà. Du coup je prod deux marines de plus. Et on va les poser la facto. Ah il est là, ok, expand. Je sais pas s'il a pris du gaz. Ah si. A priori, il a pas l'air d'avoir pris du gaz. Ou alors s'il a pris du gaz. Il a pas fait de réacteur, il a fait 3 marines. Et du coup, il aura une facture un peu plus rapide que la mienne. C'est possible. C'est une des possibilités de ce qui se passe. Maintenant, bon, on va pas s'inquiéter, hein. On va jouer de manière classique. On a les marines qui ont chassé le SCV. Donc là maintenant il sait forcément que j'expande. On va les poser. Ah j'aurais dû faire le tech lab après. Parce que simplement ça va retarder un petit peu sur la sortie des ailions. Rien de très grave. C'est une optimisation à prendre pour plus tard. On va lancer ici. Et on va lancer l'IB. Alors l'IB très important ce timing. Non quoique. Je peux attendre avant de poser l'IB. Parce que comme je sais sur quoi il est parti. Hop. Voilà. Et on va faire un scan. Ok, Derax, Derax et Derax. Donc. Bah monsieur est parti sur une Rax Expand en mode ultra classique. J'ai pas besoin du tout de poser IB. En tout cas pas tout de suite. Et il y a des chances qu'ils viennent me bourrer avec pas mal de marines. Donc il va falloir faire attention. Donc j'ai prévu. Ok. Voilà, donc c'est ces marines là comme ça. C'est le marine dont je parlais. Il m'a pas fait tant de dégâts que ça. Donc j'ai lancé 2 ailions de plus. Je voulais pas forcément. Mais je vais surtout lancer du tank derrière. J'en avoir besoin. Donc là il me scanne. Là j'ai pas forcément besoin de beaucoup d'aillons maintenant. Bon j'ai gratté un SCV. Est-ce que je peux gratter des marines? Je pense que oui hein. Et,
Alors je suis désolé, je parle pas beaucoup parce que j'essaie de me concentrer et c'est pas facile. Ah, il y a déjà Steam. Ah, le type. Déjà. J'ai un gros souci de macro. Pendant que je micro, en fait, j'ai pas macro du tout. Et ça va me coûter la game. Parce qu'il a quand même énormément de marines. Et moi, j'ai pas grand chose finalement. En poser l'IB au cas où qui va me dropper. Ça va être le timing medivac. Bon, ici, je vais pouvoir mettre un tank. Il faut aussi que je fasse une IB. Pas une factory, si, enfin une armory, pardon. Ici. Ça devrait bien se passer au niveau des tanks, j'ai deux tanks, je crois. Ah. Je sais pas par où il va venir. Faut vraiment que je lance l'armorerie. Je vais lancer des élans supplémentaires. Bon là il sait que je pars sur du mec hein. Ça maintenant il le sait. Je vais lancer des tourettes. Bon, ça s'est bien passé. Finalement. Finalement, ça s'est plutôt assez bien passé. Je suis content de ma défense. J'ai bien réagi, j'ai bien dessiégé les bons tanks au bon moment. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Du coup, a priori, il devrait plus me redrop par là. Faudrait que je sécure la base par là. Voilà. Ici, on va lancer plus un d'attaque. J'ai du viking, ce qui sera bien pour pouvoir gérer forcément les drops. On va lancer un truc là. Et ça se passe plutôt bien pour le moment. Donc on va ramener. Il y a un truc là. J'ai vu un truc, je sais pas ce que c'est. J'ai vu un truc arriver. J'ai vu un truc sur la minimap. Alors peut-être que je rêve, c'est la fatigue. Je vois que je suis quand même pas mal fatigué là. Bon. J'ai géré. Comme je pouvais. Maintenant, il va falloir faire des drones, enfin des VCS, et compléter tout ça. On voit des sièges, et puis on va y aller. Je pense que j'ai assez pour pouvoir. Ouais, j'ai assez là. J'ai assez, sans aucun souci, je lui roule dessus. Ça se passe plutôt bien, on va se mettre en mode dev2, rally point, blablabla, ici y'a rien, ici y'a rien, on va continuer. Et c'est le GG. On va regarder le profil un peu, mais il me semblait que le type était GM en Protoss. De mémoire. Après. Pas de carrière cette saison. Bon, finalement, non. Il a pas d'historique.
C'est un nouveau compte. Bon, bah, je peux pas dire là dans ce cas-là. Un Terran, encore une fois. Bon, finalement, on rencontre énormément de Terran en ce moment sur le ladder. Du coup, je vais pas faire un 8-8-8 parce que 8-8-8, la game d'avant, j'en ai fait un. Ça a pas marché. Je peux aussi voter pour faire un build un peu plus classique avec pas mal des lions. Bon, allez poser le dépôt. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je passe pas Marax? J'ai fait un altab en fait, donc j'ai pas posé Marax. Bah non, c'est bon, j'ai posé au bon moment en fait. Je l'ai posé correctement. Prendre le gaz, on va faire double report. Le dernier Stevie avant de faire l'orbital. Et le Reaper. On va aller poser l'expand. Je vais me poser directement en bas, je suis un peu greedy. De toute façon, ça se jouera plus sur le Reaper qu'autre chose. Ah bah. On va poser une seconde Rax. Parce que concrètement il m'a proxy enfin il m'a proxy. Oui il y a proxy proxy 888 là. Je sais pas où il l'a mis mais mais c'est arrivé super tôt donc en fait je vais poser une seconde Rax. Ah j'ai oublié mon dépôt. Oh là, le fait qu'il ait fait 888 ça m'a. Horrible. Bon, proxy double rex, hein. Finalement. Proxy double rex, je pensais que c'était un 8-8. Bah oui, c'est un 8-8-8, forcément. Au niveau du timing, mais je suis pas censé perdre. Je sais pas où il l'a placé, je vais regarder parce que c'était un peu bizarre. J'ai été scouté et j'ai pas vu en fait. Donc forcément, je savais pas sur quoi il partait. Voilà, double 8-8-8. Je sais pas où il l'a placé en fait, Sarex. Ah, il les a placés là. C'est tellement loin. En même temps, on risque pas de le voir. Et du coup, ça arrive à peu près au même timing que le Reaper classique. Un poil avant.
Ouais, bon. Je le saurai pour la prochaine fois. Ce spot-là... Et on va finir le live avec du vin d'acier. Allez-y. Pas assez de minerai. Pas assez de minerai. Pas assez de minerai. On va faire CC first hein, sur Frost. Allez-y. Je pense pas qu'il y ait d'intérêt à partir sur du Reaper. Surtout sur Frost. Ça sert strictement à rien. Et puis le risque qu'il me fasse triple H en mon pool. Je m'en fous limite. Il peut me le faire. Je crois que je vais faire triple CC. C'est pas le souci. J'hésite à jouer mec aussi. Parce que mec en ce moment, surtout sur Frost, c'est plutôt pas mal. Hop. On va faire CC first. Je vais pas dans la rampe, hein, au vu de la distance, etc. Ça sert strictement à rien. Au pire, je me fais 9 poules, et puis tant pis, je perds la game. Hein. Enfin, si le mec il a envie de all-in sur Frost pour gagner des points, all-in sur Frost pour gagner des points. Donc 14ème SCV, on l'envoie direct sur la B2, on va pouvoir poser. Donc un CC, et en même temps on va pouvoir sortir un SCV pour aller scouter les positions. Hop, le CC. Et on va reprendre la prod de SCV après avoir posé la Rax. Passe quand même par l'Axel, on sait jamais. Poser gaz. Ok, bon il est là. Je vais checker juste le gaz. Il vient juste de le prendre maintenant. Et a priori il a fait une poule classique, voilà, c'est un gaz 17. Ça va, c'est un build classique, donc il n'y a aucun souci. Je pourrais faire mon marine normalement. Pour qu'on cut la prod de SCV, il n'y a pas besoin de la continuer. Parce qu'on a besoin de faire un marine au cas où, pour jouer safe. On va pouvoir lancer direct la seconde... À la seconde orbitale, on pose ici direct. Donc un bunker pour se protéger, forcément. Ça sert pas à grand chose d'autre. Et donc on aura deux marines dans un bunker. Voilà, on va pouvoir poser un wall. Petite micro, j'ai rien perdu. C'est plutôt parfait. On va faire 3ème CC. Et on va pouvoir faire mon switch de bâtiment. Tiens, la caserne, on va la poser là. Ah non, on peut pas. C'est pas grave. On va continuer le wall. Voilà. Et on va faire 6 hélions. En mode classique. Je pourrais en faire moins. Parce qu'en ce moment,
Ça se joue que par 4, on va dire les aillons. Enfin, que... C'est déjà pas mal par 4, mais... Bon, on va aller scouter avec les aillons, si jamais il y a expand ou pas. Hop, le rally point. Là-bas, en tout cas, il n'y a pas d'expand. On va aller regarder vers le bas. Ok, 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 ok. C'est le all-in mass speedling. En mode tu m'as vu, tu m'as pas vu. Je sauve mon Elion quand même. Du coup j'ai même pas pu voir s'il y avait expand ou pas. Je suis assez déçu. Je crois qu'il voulait voir s'il y avait expand. Du coup mes IV sont un peu retardés malheureusement. J'ai été occupé à gérer l'attaque. Voilà. Bon, il aura perdu quand même beaucoup de... Il aura perdu beaucoup de lignes pour rien finalement, parce qu'il m'a tué un Elion. Et il a fait quand même beaucoup de beaucoup de drones. Hein. C'est assez ouf qu'il ait autant de drones. Parce que du coup, ça m'embête un peu. Je pensais pas qu'il aurait autant de drones. Ça change le plan. J'ai pas eu le temps de cliquer sur le Zergling pour voir s'il avait des upgrades. Ah bah. Ok. Je sais pas pourquoi il fait ça, mais. Ça lui sert strictement à rien de faire ça, j'ai roulé derrière directement, j'ai pris le réflexe. Donc je suis plutôt bien. Enfin plutôt bien. Je suis pas forcément super bien mais au moins je suis pas mort sur son all-in tout moisi. Oh là là. J'ai pas réussi à refermer mon wall, j'ai fait de la merde. J'aurais jamais dû. Voilà, en fait il a zéro drone. Je pensais qu'il avait mass drone mais il en avait pas du tout. Du coup je perds la game bêtement. Bon. On va s'arrêter là. Pour cette petite session de 2 heures. Bonne soirée à tous, puis à la prochaine.